première erreur. Non. Oh, dégage. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur la saison 1 de Warzone et de Black Ops Cold War en général. On va tout de suite passer dans le pass de combat, on va y passer en revue très rapidement. Ensuite, on va directement aller en jeu, on va pas perdre de temps plus que ça. Donc là, directement, on voit Stitch, the perso, qui est vraiment trop stylé. Donc dès que j'ai le pass de combat, je vais... Enfin, dès que je vais me le prendre, je le prends pas tout de suite, je le prendrai plus tard, parce qu'il faut que j'achète des points. Pas le temps, on va vite aller en jeu. Donc Stitch Adler, personnage principaux des opérateurs. Donc deux opérateurs, ensuite on a des petits emblèmes, des points, apparence. Alors apparence de quoi? Apparence de bateau apparemment. Donc on pourra sûrement prendre la mer, des nouveaux opérateurs. Je vous le fais parce que vraiment c'est le premier pass de combat de cette saison de Treyarch. Alors on va en profiter pour voir c'est quoi ça, radiation, réticule. D'accord, ça devrait peut-être détecter les... Je sais pas. Ok, on continue. Des armes, une sorte de car. Ouais, une sorte de car. Hop, on continue. Ça, c'est quoi? Apparence de d'hélico. Bah oui, hélico, on est sur Warzone. Je suis bête, je suis en mode... Okay, fin. Mais oui, hélico sur Warzone. Logique. On a quoi d'autre? Des nouvelles armes, des nouveaux camos. Mitraillette. On n'a pas de nouvelles mitraillettes, je crois. C'est que des apparences. Enfin, c'est des variantes, du moins. Des variantes épiques, ok, bon, nouvel opérateur, on a quoi? On a des musiques, ok, on a quoi? Des opérateurs, c'est quoi ça? Toxique, emblème, ok, bon, on a rien de fou, hein. C'est un pass de combat classique, assez intéressant quand même, parce qu'il y a quand même pas mal d'opérateurs et pas mal de choses, même si c'est très calqué sur le premier, enfin, sur Modern Warfare. On a quoi de plus? Je vais vraiment m'arrêter si on a des trucs intéressants, opérateur, ah, lui, il est pas mal, lui. Adler, apparence d'Adler, il est pas mal. Et sinon, on arrive au Stitch Vénère. Apparence Stitch prisonnier. Franchement, très stylé celui-là. Ça, j'accepte tout de suite. Et ça, c'est quoi? Ok. Animation buggée. Je pense animation buggée aussi. Qui est apparence et le pass de combat légendaire. Ok, emblème. On commence tout de suite. On a un cadeau, on s'en fout. On va pas les choper. On va directement partir en game. Je vous... Impossible de se connecter au centre de données. Ok, bon, on se retrouve en game, on va régler ce petit souci. Et let's go, baby, pour découvrir la nouvelle map. Bon, on atterrit sur la nouvelle map. Alors, qu'est-ce que ça donne de haut? Alors, déjà, ça donne ça. C'est très très joli. Oh, il y a un téléphérique carrément. Il y a un télécabine qui monte et qui descend. C'est stylé ça. On analyse un peu la map là. C'est le moment. Donc là, c'est une prison. C'est une prison, il n'y a rien autour. On dirait un petit peu genre Alcatraz, genre Lille. Lille, il n'y a rien autour. Genre, c'est impressionnant, sauf qu'on est en Russie. Mais vraiment intéressant cette map. Où le shoot est là. Où le shoot il est présent par contre. J'aurais pu le tuer. Allez, dégage. Oh non, il y en a un deuxième. Un deuxième. Il est où? Ok. Cette map annonce du très 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 lourd. Je ne sais pas du tout où je vais spawn. Alors on va voir un peu les noms des maps. Enfin des zones. Security Area, Decon, Warzone, Chemical Engine. Ok, ben je ne sais pas du tout où je vais spawn. c'est drôle. Vengeance, Operation Domino. D'accord, Opération Domino. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais let's go. On est parti. J'ai pas regardé si les données satellites, enfin la date avait bougé ou pas. Normalement elle a dû bouger. Eh ben les amis, on est sur la nouvelle map Warzone, dans un mode spécifique. Par contre, on est dans un mode spécial où on est 45 joueurs max. Donc là, on est 42, mais on est 45 en trio normalement. Je suis solo, j'ai pas dû mettre... Aïe, 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 des animations et tout ça. Pourquoi je sautais là? Pourquoi je sautais maintenant comme un débile? Pas grave, allez, let's go. On perd pas le temps, on perd pas espoir. Même si c'est du trio vers solo versus trio et que ça va être très très compliqué. J'ai des lags toujours et encore toujours. Allez, c'est pas grave. Trouve une arme là. C'est un pompe. Ennemi déployé dans la zone des opérations. Je peux rentrer où? Là. Dégage. Ok. Allez, prends un pompe. Allez. Eh bien, ton copain. Il
m'a pas tiré dessus. Je vais me mettre des plaques parce que là je suis un peu pas bien du tout. Il y a un tank. Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Il y a un mec pas loin là. Il y a deux mecs à gauche. Ok, il y a deux mecs pas loin. Ils sont au-dessus. Oh, le shoot. Oh, mais il est à terre. Oh, le lag. Bon. Le truc, c'est que je lag, je connais pas la map, je connais pas grand-chose. Et c'est compliqué à jouer sur ce jeu quand tu lags un peu. Un léger décalage et franchement, ça te perd de ouf. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Merde. Pourquoi je fais ça? Il y a du monde ici et je me fais ça, moi. Soldat ennemi en approche. Oh, une frappe de presse. Oh, j'ai eu peur. Ok, on va reprendre le pompe. Perdez du terrain. Allez, dégage. Merde. Allez, arrête. Il y a son collègue qui va arriver. Son collègue pas loin. Oh mais il est là son collègue, mais oui. Ok. Soldat ennemi en approche. Il est derrière moi, je suis pas bien. Il est au-dessus. Je descends. Envoyez la sauce. Ici Striker 3-1, bien. Alors, je vais faire quoi maintenant? What? C'est quoi cette histoire? C'est raté. Je sais pas quoi faire là. Alargage tactique approche de votre position. Je connais pas où les mecs peuvent se camper ou quoi que ce soit, donc on va aller à mon largage déjà. Ça va être une bonne chose. Allez, viens. Viens jouer avec moi. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Il veut pas jouer avec moi, c'est dommage. Bon, allez, on avance. On va aller directement à notre largage. Il est pas très loin, 80 mètres. Enfin, si, quand même un petit peu. Y'a personne sur le toit là? Ouais, oh, y'a quelqu'un sur là-haut par contre. Allez, on peut se remettre full plaque enfin. Depuis le temps que j'attends ça. Allez. Allez, 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 ok. J'ai peur qu'il y ait un mec dans mon bac. Oh, il y a un mec en face. Allez, dégage de là. Dégage. Pourquoi il s'est fait tirer dessus derrière? Mais arrête! Ok. Et on a des bons restes quand même. Franchement, on a des très très bons restes. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Warzone. Ben, j'ai plus joué depuis la dernière saison. Et franchement, on a des bons restes. Ça, c'est quoi ça? C'est une arme à rafale, ça? Non, ça, c'est une arme à rafale, non? Non, je peux la mettre en arme à rafale et ça. J'ai l'impression que c'est une arme à rafale, je sais pas. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a plus rien. J'entends des bruits pas loin. C'est quoi ce char là? Ah non, c'est le télécabine, d'accord. J'avais pas compris moi. Allez, on avance, capteur. Personne, de l'oseille. J'ai pas vu un market depuis tout à l'heure. J'avoue que ça me fait pas plaisir. Ça tire où? Putain, ils me font peur à tirer comme ça. Attention, le gaz se rapproche. Juste fantôme, je m'en fous. Juste fantôme, je m'en fous de la classe. Et une F à terme, ça me va très très bien. Oh, les bâtiments, ils sont trop grands de ouf par contre. Drone ennemi au-dessus. Ok, j'ai fantôme, je m'en fous. Moi, je voulais juste avoir fantôme et maintenant on peut retourner dans le bat.
chercher du kill. Allez, on est à 5 kills déjà, c'est pas mal du tout. Franchement, pour une reprise, c'est vraiment pas mal. Je m'attendais pas autant en vrai. Hein. Il est revenu ou il est parti? C'est barré. Soldat ennemi en approche. 33 mètres à gauche. Oh le shoot, oh le shoot. Oh, il s'est rien. J'ai cru qu'il avait réussi à sauter rien. Allez, go go go, c'est parti. Là, il y en a un mec au-dessus encore. Le gaz se rapproche. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Wow. Les coûts des stations de ravitaillement ont été ajustés. Ouais, mais j'ai peur de la hauteur là. Ouais, je me concentre. Le commentary est inexistant, c'est pas grave. On va rester là. On se met devant, au-dessus de moi. Les prix retrouvent leur cours normal. Ah, je sais ce qui fait le bouffe. Le gaz est à proximité. Non, il est où? Je vais me remettre là-bas. Oh, un MP5. Voilà moi. Ennemi déployé dans la zone des opérations. J'ai eu la latence du rechargement, horrible. Ah, il a ses jambes. Allez. Le gaz arrive. On va avoir une nouvelle de sécurité. Il avait ses armes l'animal hein. Il a quoi lui? Il a rien. J'ai des traces de pas en haut. Là, je suis pas bien du tout là. Ouah, les deux qui viennent de sauter. En plus, c'est vrai que je suis en trio. J'avais oublié les détails. Mettre au-dessus de moi. C'est un goulag? Non, il avance. Attention, le gaz se rapproche. Attention, une équipe ennemie vous a repéré. Je suis pas bien là. Oh le shoot. Non, il était derrière moi, je l'avais vu en plus. Il m'a pas tué? Il m'a pas tué? Il m'a pas tué le bouffe? Il en reste plus que 10. Il m'a pas tué le bouffe? Grave erreur, non. Oh dégage. Bon combat. Non.
Il en restait un derrière moi. Non, déçu. Oh, quel game. Oh, quel game. Dommage, dommage, top 5. Eh ben les gars, eh ben pour une game de retour, après bien... Je pense bien 3-4 mois, 3 mois je pense, ouais, depuis la sortie de Cold War, je crois que j'ai pu jouer même bien avant. Dernière saison qui est sortie, j'ai joué, après j'ai pu jouer, ben franchement, pour un retour, 9 kills, top 5, franchement on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal, ben franchement, bonne game, et surtout cette map très très intéressante, et ce petit mode la 45, bon dommage. Mode en trio versus, enfin solo versus trio, il y avait beaucoup de personnes en solo. Ça aidait un petit peu, mais aussi pas mal de débutants. Hein. Il y a beaucoup de débutants qui ont commencé sur Cold War, c'est... on les voit. Hein. Le mec, quand il... je tue un mec qui me regarde et qui me vise. Là, le mec qui me tue, il se casse. Pas compris pourquoi non plus. Mais sinon, très très intéressant. On va trouver des collègues pour jouer. Et sinon, on va se faire des petites games. Ça a l'air d'être intéressant. Et les top 1 devraient être assez faciles. Franchement, j'ai fait 9 kills top 5. À plusieurs, il y a moyen de bien raser la zone. Bah regardez, ils sont deux, il a fait que 8 kills. Voilà. Donc pour dire que c'était une très très bonne game, top 5, 9 kills, très très bon. Très très bon jeu, très très bon retour et la map est très très intéressante. Hâte de voir ça sur le Warzone 150 personnes pour vraiment voir ce qu'il en est. Mais sinon, j'espère que ça vous aura plu. Moi, très très gros plaisir d'avoir pu faire... d'avoir pu découvrir cette nouvelle map Warzone, du moins c'était un nouveau mode sur Warzone, mais très intéressante cette map à 45 versus 45. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre tout ce qui va arriver sur Warzone et tout ce qui arrive en général sur tous les jeux. Je vais pas aller faire la liste parce qu'il y en a beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, un commentaire pour suivre tout ce qui va suivre et à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et de cette map surtout. N'hésitez pas à vous abonner, je vous le répète, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et ciao tout le monde.